J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, j'ai la pêche, même si on est dimanche soir. Il est 21h, on t'a fait pendant une heure. J'ai toujours pas fini, c'est la crise. Mais tout va bien. Je vous tourne cette vidéo, enfin ce début de vidéo, dimanche soir, pour vous annoncer un peu ma vidéo, tout simplement parce que demain matin j'aurai vraiment pas le temps. Donc ma vidéo, comme vous l'aurez pu voir dans le titre, donc ça va être une vlog. Enfin, ça va être une vlog, oui bien sûr. Ça va être un vlog de ma semaine d'étudiante. Donc c'est à dire que vous allez voir ma semaine, je pense, du lundi au vendredi, pas du lundi au dimanche, parce qu'après le week-end qui arrive, je fête mon anniversaire. Donc bref, un peu d'intimité, ça fait pas de mal. Mais en tout cas, du lundi au vendredi, vous allez voir donc ma semaine de cours, comment elle se déroule, ce que je fais en rentrant des cours, enfin en tout cas si j'ai la foi d'y aller, parce que je vous avoue qu'on peut suivre les cours de chez nous en vidéoconférence, c'est pas plus mal. Donc je sais pas, je verrai, des fois j'irai à l'amphi, des fois j'irai pas, je pense, voilà, comme chaque semaine quoi. Demain, j'ai 1h30 de TD, roi des personnes, je viens de finir à peine là mon TD pour vous dire. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain matin. Bisous! Bah go laver hein. Bon salut, j'ai la tête dans le cul comme tous les matins. On est lundi 19, il est 9h04. J'ai cours dans 30 minutes, 40 minutes. Donc du coup là ce que je vais faire c'est comme tous les matins en fait, quand j'en ai en tout cas, je vais faire un café et je vais aller me fumer ma clope en bas tranquille avant de partir. Je me suis fait un énorme planning hier. Cette semaine, elle va être lourde, elle va être très longue, c'est assez compliqué. Heureusement, j'ai mon chéri, m'a envoyé un petit message matin, enfin même un long message, qui m'a énormément fait du bien. Donc, on va commencer la semaine, c'est top. Je tiens à vous préciser quelque chose, je pense que toute la journée, je filme avec mon téléphone. J'espère que la qualité, ça va aller. J'espère vraiment, parce que j'ai pas trop d'autres moyens quand je vais à la fac. Donc là je suis avec mon petit café, je suis en train de descendre, il me reste 15 minutes pour le boire et fumer ma clope. Mais ça va le faire. Hello. Je pose ça, je pose ça. J'enlève ça. Donc je reviens de ma matinée de TD. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu 1h30 de TD. Donc je sais plus si je vous l'avais dit, mais dis-nous rendre des contrôles. Enfin un contrôle et un TD que j'avais rendu volontairement. Alors, je pensais que franchement au contrôle j'allais avoir, j'espérais avoir 10, parce que il y a une question que j'ai pas répondu. Et je pensais avoir fait des questions fausses. Or, ben en fait j'ai pas eu 10, j'ai pas eu 9, j'ai eu 15. J'ai eu 15, je suis choquée. Donc là, c'est-à-dire qu'en gros, à mon TD que j'ai rendu volontairement en droit constitué, j'ai eu 13,5. Là, j'ai eu 15 à mon contrôle. Et mon TD que j'ai rendu volontairement aussi en droit des personnes, j'ai eu 15 aussi. Du coup, je suis super contente, ça me fait une moyenne à peu près de 14, 14,5. En vrai, je suis assez contente de ma matinée, je suis même vraiment plutôt contente en fait. Ça y est, je pars faire les courses. Voilà. Je suis de retour. Donc là, je vous explique, je vais tourner une vidéo retour de course. Puis après, je pense que je vais appeler une copine. Et après, bah, je vais commencer à taffer, quoi. Je viens de finir de tourner mon retour de course. Va falloir que je range tout ce bordel. Ouais, j'ai des yeux, enfin je suis fatiguée. J'ai pas encore fini, mais je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc à savoir que j'ai bossé toute l'après-midi, donc c'est pour ça que je vous ai pas montré trop d'images, parce que bah, par bosser j'ai rien fait d'autre en fait. J'ai juste mangé, voilà, des pâtes avec un cordon bleu et des tomates à la kiss. Et puis je vous dis à demain les amis. Salut. Je dois être un peu blanche, c'est normal, parce qu'en fait je suis juste en dessous de mon Velux et il fait un temps à chier. Regardez si vous arrivez à voir, voilà,
il fait des nuages et tout à l'heure il pleuvait, donc ça me donne pas du tout envie d'aller à l'université. Donc voilà, aujourd'hui je suis en présentiel et l'autre groupe est en visio, donc je sais pas trop en fait si je vais y aller ou si je vais aller dans l'autre groupe en visio, parce que j'ai envie de me recevoir une flotte immense. Je vais peut-être y aller ce matin. Et s'il pleut trop cet après-midi ou quoi, de toute façon je prendrai un parapluie. Je rentrerai chez moi pour pas rentrer sous la flotte à 17h quoi. Genre j'attendrai un moment opportun parce que j'ai 1h30 de pause. Aujourd'hui j'ai donc de 9h30 à 12h30 droit des personnes et de 14h à 17h instruction juridictionnelle. Il est 9h05, j'ai cours dans 35 minutes, je suis pas allée boire mon café ni fumer ma clope. Donc je vais vous laisser parce que là je suis vraiment en retard. Donc voilà, je me suis chauffée. J'y vais. Donc ça y est, je suis rentrée. Donc deux choses à dire. La première, c'est qu'il y avait personne dans l'amphi. Alors ce matin on était 20, cet après-midi j'ai compté on était 12. 12 dans l'amphithéâtre, enfin bref. Je pense que c'est surtout parce que les gens préfèrent faire en visio que de bouger de chez eux. Juste pour vous dire, là j'ai pas beaucoup de temps, donc là je vais prendre des photos pour mon nouveau compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos et sûrement que je vous mettrai une affiche juste ici. Voilà, j'ai créé ce compte Instagram là pour parler de mes études de droit et pour parler en fait de ma chaîne YouTube. Donc tout va être concentré à cet endroit-ci. Donc je vous invite fortement à passer. Donc j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai moins de 100 abonnés largement, voilà, parce que je viens de commencer tout simplement hier. Ensuite je vais taffer, faut que je maximise mon temps là ce soir. Ensuite je mange et à 21h30 grand max, faut que je me sois douchée, que j'ai fini de taffer, que j'ai mangé, que j'ai fait mes photos pour que j'aille au bar. Voilà, c'est un peu compliqué, donc là c'est un peu mouvementé, donc je vous laisse, je fais tout ça et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fini de bosser, c'est normal que j'ai les cheveux attachés comme ça, c'est parce qu'en fait je me suis douchée le corps et je voulais pas me laver les cheveux ce soir, je vais me les laver demain. Donc du coup c'est pour vous dire qu'il est 20h11, donc j'ai pratiquement fini en fait tout ce que j'avais à faire sur ma to-do list. Il me reste juste un chapitre affiché d'économie, mais je pense que je le ferai demain parce que vraiment cette semaine je pense que psychologiquement, vu que c'est la dernière avant les vacances, bah, j'ai pas envie de foutre grand chose. Du coup c'est un peu compliqué, mais bon je vais rattraper ça demain, c'est pas grave. Et du coup là je vais manger. Donc voilà, je vais aller au bar avec ma copine, on va aller retrouver quelques personnes qu'on connaît. Et puis voilà, on va passer une soirée assez sympathique. Je vais pas rentrer trop tard, je pense que je vais rentrer max 23h minuit. Bon, de toute façon ça ferme dans ces eaux là parce que demain j'ai cours à 9h30, mais je le fais en distanciel. Là, aujourd'hui on est mercredi, comme vous voyez, j'ai des tout petits yeux, j'ai des cernes. Parce que tout simplement, on allait finir la soirée chez une amie à moi. On s'est couché, il devait être 3-4h du mat. Enfin en tout cas moi j'ai réussi à trouver le sommeil entre 3 et 4 heures. Donc je vais faire mon cours de ce matin en visio parce que impossible d'y aller maintenant, j'ai trop une gueule horrible. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un café et puis après on attaque les cours. Voilà, je suis soufflée, j'en peux plus, j'ai remonté un énorme futon sur 3 étages, c'est horrible. Donc c'est normal si vous entendez des trucs en fond, c'est parce que je suis en train de regarder du coup le parfait. Alors du coup là c'est juste pour vous dire que j'ai fini mon cours d'anthropologie, ça m'a un peu réveillée entre guillemets, mais bon, je vais pas à mon cours d'anglais, je vais faire une sieste après-midi parce que vraiment avoir dormi 4h, 5h c'est pas top. Surtout quand sachant que je dois travailler cet après-midi, donc si je fais pas une sieste c'est mort, je travaillerai pas. Je pense que ça se voit, j'ai les yeux gonflés, j'ai des cernes à gogo. Et du coup bah pour bien dormir j'ai fait un énorme repas, voilà. Salut les gars, donc là on se retrouve, il est super tard. Pour vous expliquer ce que j'ai fait de ma journée, moi qui pensais faire une sieste, en fait non, parce que j'étais trop stressée à ne pas terminer ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Du coup bah, j'ai fait quand même la moitié, mais j'ai eu énormément de mal. Je vais terminer de ficher mon cours d'éco, donc ça c'est fait. Je devais ficher tous mes cours, enfin tous mes derniers cours d'instruction juridique, en sachant que j'avais 4 chapitres à ficher. J'en ai fiché un et demi. Juste une envie, c'est d'être en vacances, j'ai pas trop le moral en plus aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai pas trop filmé de trucs. Je pense que c'est dû aussi à la fatigue. Du coup voilà, j'avais envie de rester un peu dans ma bulle. J'ai rien fait clairement aujourd'hui, vraiment comparé à ce que je fais d'habitude, j'ai rien fait. C'est pas top, enfin vraiment c'est pas top, mais bon c'est pas grave, les baisses de morale ça arrive. Donc là en fait je pense que je vais regarder un peu la télé, je vais pas vous filmer forcément ce moment là parce que comme je dis j'ai plus envie d'être toute seule aujourd'hui, je pense que c'est compréhensible. Je vais manger, je vais aller me coucher parce que je suis claquée. Oh là, donc là je viens de me réveiller, j'ai mangé tranquille une salade dans le lit et je suis tombée de fatigue. Donc là aujourd'hui niveau moral, bah je peux pas trop dire que ça va mieux, mais déjà je suis pas fatiguée, donc déjà ça c'est plutôt cool. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais boire mon café
Et ensuite, j'ai cours de 10h à 13h de droit constit. Donc je vais le faire de ma maison parce que franchement, il fait pas beau du tout. Ça donne pas du tout envie d'y aller. Donc je vais faire le cours à distance ce matin de droit constit. Et de toute façon, j'ai mon cours d'économie qui est toujours à distance. Donc comme ça, voilà, ça évite de faire 10 000 allers-retours. Donc voilà, là c'est la pause du midi, je viens de préparer une petite salade, donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop appétissante. Heureux, donc là il est pas loin de 18h il me semble, ou 17h30, 18h dans ces eaux-là. J'ai super faim, donc là je me suis fait à manger, je me suis fait des pommes noisettes avec un steak aux herbes. Voilà, donc je vais vous montrer en despi. Pourquoi je mange aussitôt? Bah, tout simplement parce que j'ai faim et que j'ai pas trop mangé à midi, je mangeais une petite salade mais Également j'avais cours d'éco cet après-midi mais vous allez me prendre pour une meuf qui va jamais en cours alors que c'est pas du tout le cas vraiment, normalement c'est pas ça. Mais là j'ai beaucoup de soucis en tête, j'ai beaucoup de problèmes personnels. J'ai trop de choses qui me trottent, le fait que ce soit bientôt les vacances aussi, je pense que ça y joue. Et j'ai vraiment besoin de respirer parce que comme vous pouvez voir j'ai dormi mais regardez les cernes que j'ai. Enfin, je suis vraiment HS en fait cette semaine. Donc je vais aller manger et par contre après faut que je bosse, par contre vraiment faut que je bosse. J'ai fini mon tédé, je suis trop contente. Bon là du coup ce qui va se passer c'est que je vais faire du montage parce qu'on est jeudi soir, que demain je pars et qu'il faut absolument qu'il y ait une vidéo qui soit montée pour demain. Hola, donc faites pas gaffe à ma gueule, je viens de me réveiller, il est 9h30 passé. Alors ce que j'ai fait hier soir, je vous l'ai pas trop dit, mais j'ai fait le montage de ma vidéo et ensuite en fait je suis allée cache dormir parce que j'ai terminé un peu tard. Ensuite, ben là du coup on est vendredi, dernier jour de vlog les gars. Et là du coup on va faire quoi? Le montage de ce vlog justement, je vais le commencer au moins comme ça il me restera juste quelques clichés de ce matin et cet après-midi à monter. Mais au moins j'ai mes deux vidéos qui sont montées parce que voilà il en faut une pour ce soir et une pour la semaine pro. Parce que la semaine pro je suis en vacances donc je ne serai pas là. Donc il fallait absolument que j'en prévoie deux. Donc c'est fait. Et puis voilà, maintenant il faut que je fasse le montage. Mais là, mes cheveux, c'est un gros carnage. Donc voilà, là je dois m'arrêter là parce qu'il est 10h39. Faut que je parte pour la fac. Mais au tout début, dites-vous qu'il y avait 1h30 de vidéo. Bien réduit, là il reste 36 minutes. Je vais encore réduire. C'est parce que voilà, il y a des clips qui vont être en accéléré, etc. Mais vu que j'ai filmé pendant 10 minutes, par exemple, comme des scènes comme ça, bah le problème c'est que voilà, c'est long. Mais en soi ça va le faire, par contre je pense que la vidéo elle va sortir samedi et pas vendredi. Donc voilà, là je me suis préparée et donc je vais aller à la fac. Donc on se retrouve, il est bientôt 17h, notre prof nous a lâché 40 minutes plus tôt. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre temps. Oui je marche, j'aime bien marcher. Alors ce qui s'est passé c'est que ce matin je suis allée en TD, donc notre prof nous a rendu notre contrôle et mon TD que je l'avais rendu volontairement. Alors mon contrôle j'ai eu 14 sur 20. Donc tout va bien. Mon TD j'ai eu 5 sur 20. Mais ça va parce qu'en fait il note la meilleure note des TD. C'est à dire par exemple si on, leur en rend, si on lui en rend 2, il va noter la meilleure note des deux. Et vu que j'ai eu 13,5 à l'autre bah, c'est bon en fait, le 5 ne sera pas noté. Donc c'est bon, pas de soucis. Donc voilà, j'ai eu un petit 14 au contrôle, ça fait plaisir. Ensuite je me suis fait une petite salade composée comme d'habitude. Vous connaissez, si vous connaissez pas allez voir ma vidéo sur la malbouffe. Après du coup j'ai fait mon cours de sciences politiques. Entre temps pendant les petites pauses qu'il y avait bah, j'ai rangé un peu l'appart. Là j'ai pas totalement fini donc je vais totalement finir de le ranger et on va aller au resto avec mon copain vu que ce soir ben à partir de minuit il y a le couvre-feu, donc on va en profiter avant ce petit couvre-feu que les restaurants ne puissent plus être ouverts ou voilà ou des trucs comme ça, donc on va en profiter le dernier jour. Je vais finir je pense ce vlog là dessus moi je vous fais de gros bisous, ça m'a fait super plaisir de passer cette semaine là avec vous même si j'ai pas forcément beaucoup travaillé, je me suis un peu reposée sur moi même mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, bisous.